Mettez l'interrupteur hors tension en coupant le circuit d'éclairage adéquat. Dans la plupart des cas, il s'agit d'un disjoncteur de 16 ampères. Dans notre configuration, chaque interrupteur contrôle un seul point d'éclairage. Retirez la touche et la plaque de finition de l'ancien interrupteur. Dévissez ensuite le support pour retirer l'interrupteur de la boîte d'encastrement. Retirez les fils de l'interrupteur au moyen des bornes automatiques ou des vis. Sortez le détecteur de mouvement de son emballage et ôtez-en l'enjoliveur. Consultez ensuite le mode d'emploi. Vérifiez si les fils sont encore en bon état. Si nécessaire, vous pouvez en couper l'extrémité et les dénuder à nouveau. Branchez les fils comme indiqué sur le schéma de câblage. Insérez le détecteur et vissez le support de niveau dans la boîte d'encastrement. Le support est fixé à l'aide des griffes. Réglez le délai d'extinction, le champ de détection et l'intensité lumineuse, puis clipsez à nouveau l'enjoliveur sur le détecteur. Clipsez la plaque de finition sur le support. Rétablissez le courant. En l'absence de tout mouvement, la lumière s'éteindra automatiquement.